L'herbe, ça fait un peu de temps que j'en fume maintenant et que j'en fume régulièrement et que j'en fume même beaucoup. Moi, ça me ferait de la peine. Franchement, je te le dis honnêtement, ça me ferait de la peine de te voir amoché. Je te dis honnêtement. Si tu fais partie de la résistance, tu mets un pouce bleu, frérot. Si tu mets pas de pouce bleu, tu vas pas dormir ce soir. Mets-le, tu vas te sentir bien. Et dans tous les cas, t'auras une araignée. Là, t'es en train de te dire, si je le mets pas, je vais pas me sentir bien. Donc, quand tu vas quitter la vidéo à la fin, et même là t'as, si t'as pas mis de pouce bleu, tu vas pas te sentir. Commencer la vidéo, je voulais tout simplement vous parler des derniers sons que j'ai sortis sur ma chaîne. Donc voilà, il y en a plein qui sont sortis. Je crois qu'il y en a 2-3. Ils sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming. Donc voilà, Spotify, Deezer, Apple Music, surtout. Voilà. Si vous êtes de la résistance, l'armée, les frères, ça me ferait vraiment plaisir que vous allez streamer ça. Voilà, ça me ferait plaisir. Vous m'envoyez un petit screen sur Instagram, tout ça. T'as dit quoi? Parle-le, s'il te plaît. Parle-le, s'il te plaît, je suis en vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo, ma dernière vidéo, d'accord, sur Azulek, parce que j'estime que c'est bon. On en a assez fait entre les sons de merde qu'on a sortis, où la plupart des gens pensent que ça a été une mise en scène carrément. Les gens Kevin qui viennent en DM Instagram me dire Empire, Azulek, l'Empire va jamais crever. Ça va 2 minutes, ça commence à me péter les couilles. Si aujourd'hui je fais cette vidéo, parce que Azulek il a sorti une vidéo il y a 2 jours. Je crois qu'on est, on est dimanche, il a sorti samedi, donc c'était il y a 1 jour. Je crois que c'est ça ou 2, je sais plus comment. What the fuck, ouais. Azulek, il a tout simplement sorti une vidéo où il fait une mise au point sur la drogue, sur ses addictions, ou d'ailleurs, dans la vidéo, il essaye de me clasher, mais bon, ça, je m'en fous. Moi, je passe à travers de tout ça. Je pense que maintenant, Azulek, tu sais, les gens savent très bien ce qui s'est passé dans cette histoire. Je vais pas y revenir. Moi, aujourd'hui, je vais vraiment parler du fait que t'as parlé du cannabis. Ça m'a vraiment interpellé parce que je me suis dit, attends, le mec, dans sa vidéo, parce qu'il a fait une vidéo où... T'as dit quoi ? Comme ça quand je suis en vidéo. Pour faire un petit résumé, donc Azulek dans sa vidéo, il dit très clairement que le cannabis, parce que faut savoir, je remets les choses dans l'histoire pour le commencement pour que 2 plus 2 ça fasse 4 et 4 plus 4. Il casse les couilles les gros porcs là-bas qui mettent leur musique de merde. Quand il y a quelques mois, je pense, il a commencé le cannabis. Donc moi, je l'ai su sur Instagram. Et parce que j'ai vu qu'il... Voilà. Et... Donc Azulek, il a décidé de commencer le cannabis comme ça. Alors que le mec, il m'a toujours dit que fumer le tabac, machin, la drogue, c'était pas bon, c'était trop d'argent. Le mec, du jour au lendemain, ça y est, c'est Bob Marley version avec Bob Marley Lil Peep. Ça y est, il s'est transformé en Lil Peep, tout simplement, le mec. Moi, ce qui m'a vraiment interpellé dans sa vidéo, c'est que je vais vous mettre des petits passages. Je sais plus exactement ce qu'il a dit. L'herbe, ça fait un peu de temps que j'en fume maintenant et que j'en fume régulièrement et que j'en fume même beaucoup. Et il y a beaucoup de gens qui se demandaient pourquoi je fais ça. Est-ce que je fais... L'herbe est moins dangereuse que le tabac ou l'alcool. Pourtant, le tabac et l'alcool, tout le monde en consomme. L'herbe, c'est juste une plante et mon corps, il a arrêté de fonctionner. Il était plus vivant en fait, j'étais mort. Je suis allé voir le docteur et il m'a prescrit de l'herbe. C'est très bon pour ma santé en fait. Mais il a dit qu'en gros, le cannabis, c'était pas dangereux, moins dangereux que le tabac et que l'alcool ou que je sais pas trop quoi. Le cannabis, c'était bon pour la santé, je sais, un tas de conneries. Ça m'a interpellé parce que je me suis dit, attends, ça se trouve, il y a des mecs qui vont regarder la vidéo, des mecs de 13-14 ans, ils vont regarder la vidéo et ils vont se dire, putain, mais attends, le cannabis, c'est trop la mode et en plus, c'est bon pour la santé et c'est pas mauvais pour la santé, c'est trop bien. Je vais en commander. Et ça m'a interpellé parce que, tu vois, le discours qu'a eu Azulek, c'est typiquement le discours du mec qui commence à fumer du cannabis et qui sait pas encore ce qui va lui arriver. Il sait pas encore ce qui va lui arriver. Alors, je sais que je vais avoir des mecs dans les commentaires qui vont me dire « Oui, mais... » Donc, bien sûr, je ne dis pas que le tabac et l'alcool est moins dangereux que le cannabis, d'accord? Le tabac, j'en consomme régulièrement. Ça, c'est pas bon du tout, je le sais, c'est pas bon pour mes poumons. Mais on va y revenir après. L'alcool, ça m'arrive de temps en temps en période festive. C'est vraiment de temps en temps. C'est vraiment genre une fois par mois, voire 2 fois par mois, tu vois. Le cannabis, mec, moi je me souviens, j'avais un pote qui tapait des crises d'angoisse, des crises de panique en plein cours. On était en plein cours, le mec était en panique. Il était là, il avait des crises de parano, tu vois ce que je veux dire. Alors, je dis pas que ça arrivera à tout le monde, tu vois ce que je veux dire. Mais il faut pas que tu passes ce message à Azulek. Et moi je pense à Azulek, là tu commences à devenir dépendant et tu sais pas ce que tu fais, mec. Je sais pas si tu crapotes tes joints ou quoi. Si t'arrives rien, bah tant mieux, mec. Mais je pense que
Ta vidéo, ça veut dire un truc. Ta vidéo, elle veut dire qu'en gros, t'es accro et que tu veux faire pas. Tu veux dire aux gens que c'est bien le cannabis, mais tu sais pas ce que c'est, mec. Il y a le THC, tu vois, le THC, ça c'est. Le THC, c'est ce qui est pas. C'est ce qui grille le cerveau, tu vois, c'est tout ce qui est effet. Commencez pas dans les commentaires à me dire. Ah, mais tu connais rien, mec. Je suis pas médecin, c'est juste que je dis ce que je pense, d'accord. J'en ai rien à foutre, là, les mecs de 15 ans avec leur sacoche qui vont venir en DM, je m'en fous, j'en ai rien à foutre, je sais ce que je dis, frérot. Le cannabis, c'est mauvais, point. Voilà, petite parenthèse, j'en ai rien à foutre du reste. Le THC, c'est ce qui est vraiment de plus mauvais, ça va vraiment attaquer le cerveau, les neurones, tout ça. C'est vraiment ce qui va te bousiller le cerveau. Et t'as le CBD, voilà. Alors je sais pas comment t'appelles ça, des particules de plantes, frère. J'en sais rien, comment c'est pas. Le CBD, je crois que c'est une particule qui est beaucoup moins, qui est beaucoup plus, comment dire, qui protectrice. Enfin, je sais pas comment t'appeler ça. Mais le CBD, en gros, voilà, c'est plus que ça. Mais j'en sais rien, comment on dit ça. Mais en gros, c'est tout, c'est que c'est moins dangereux le CBD. Voilà, c'est pour ça qu'en France, c'est légal le CBD. Voilà, tu peux acheter du CBD, ça te fera rien en fait. Tu vas fumer de l'herbe de lapin, du caca de lapin en fait. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ça me saoule parce que je vois déjà les mecs dans les commentaires me dire. Alors déjà, le THC est un particule. Je veux te dire, Azoulek, c'est que t'as ta vision des choses avec le cannabis. Mais dis pas aux gens que c'est pas dangereux ou que c'est moins dangereux. L'alcool, le cannabis, c'est au même niveau, c'est juste que ça touche pas les mêmes organes. Voilà, l'alcool, c'est bien sûr que c'est dangereux l'alcool, frère. Le tabac aussi, ça démonte les poumons. L'alcool, ça va démonter le foie, le cœur, ça va faire beaucoup de dégâts, je sais pas, je suis pas médecin. Et le cannabis, ça va surtout, bon, déjà les poumons, parce que là, c'est de la fumée, faut rappeler quand même. À quel niveau, j'en sais rien. Mais ça va aussi beaucoup toucher le cerveau. Et après, t'as des séquelles mentales. J'ai plein de connaissances que je retrouve. Je vais te faire caca d'un coup. Je connais beaucoup de gens qui maintenant sont en hôpital psychiatrique parce qu'ils ont des séquelles mentales à cause du cannabis, mec. Tu vois ce que je veux dire? Alors me sors pas, ouais, mais c'est parce qu'ils sont faibles mentalement. Ouais, mais ça, c'est des maladies mentales. Non, ça marche pas comme ça. Voilà, tu fais ce que tu veux de ta vie. Moi, ça me ferait de la peine. Franchement, je te le dis honnêtement, ça me ferait de la peine de te voir amocher. Je te dis honnêtement, ça me ferait de la peine. Voilà, le cannabis, c'est trompeur. Comme, bah, en fait, la drogue, c'est trompeur tout court. Voilà. Que ce soit n'importe quel consommateur de n'importe quoi, c'est trompeur. Te fais pas avoir, mec, et dis pas aux gens que c'est bien, machin. Tu le sais, de toute façon, tu le sais. Parce qu'après, tu vas avoir des jeunes qui vont commencer, ils vont t'écouter, ils vont prendre la confiance. Puis ça va se retrouver dans un centre psychiatrique parce que le mec, il a tapé une crise de schizophrénie. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, j'espère que tu te porteras bien. Moi, je vous dis bonne soirée. Et vivez la vie comme si c'était un mardi après-midi après le cours. Parce que... Résistance, frérot.